Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale routine ménage. Je sais que vous adorez ces vidéos, donc encore une fois, je me prête au jeu et je vais partager avec vous mes astuces, mes petites habitudes pour une maison propre et parfumée, toujours au naturel. Vous savez, avec moi, ce ne sont que des produits naturels pour ma maison. Donc c'est parti, je commence toujours, tous les jours, peu importe les saisons, par aérer mon intérieur. C'est vraiment ma première astuce pour avoir une maison propre et parfumée. L'importance mais de l'aération, peu importe la saison hein, les amis, il faut aérer le matin. Moi j'aère tous les matins environ 20 minutes, une demi-heure, et tous les soirs toutes les pièces de ma maison. Moi j'aère vraiment tôt le matin et tard le soir puisque j'habite en ville, donc je veux éviter les pics de pollution avec toutes les voitures à l'extérieur dans la journée. Mais c'est vraiment vital pour renouveler l'air et purifier son intérieur. Vraiment, il faut le faire, les amis. La deuxième astuce que j'ai, vous le savez aussi, j'adore parfumer mon intérieur avec des bougies naturelles toujours, du papier d'Arménie, des bâtons de Palo Santo, et depuis quelques temps, mais là je vous une passion pour les bâtons d'encens. Je suis complètement fan d'encens d'ailleurs, je crois qu'on ne prononce pas le S. J'ai une petite collection hein, de cire végétale, pour parfumer, et également deux bâtonnets d'encens. Cet été, j'ai passé une semaine chez ma grande sœur et elle a brûlé tous les jours ces bâtonnets-là d'encens de la marque Satya et je suis devenue complètement accro. Je les aime trop, mais j'en ai plein d'autres. Là, ceux-là, je les ai achetés chez Nature et Découverte, goûter d'automne. Ça sent trop bon, et thé sous les étoiles de Nature et Découverte, absolument délicieux. Donc voilà, j'adore brûler ça dans mon intérieur en ce moment, surtout en cette période automnale, ressortir les bougies, les bâtonnets d'encens, ça sent trop bon, ça donne une atmosphère très enveloppante, cocooning, envoûtante un peu. Ça donne un peu l'impression d'être dans un magasin ésotérique, vous voyez ce que je veux dire? C'est très chaud, c'est chaleureux, franchement l'encens en ce moment c'est ma passion. Donc en ce moment j'en brûle pas mal tout en aérant les pièces de mon appartement. Et une fois que j'ai terminé ces deux petits gestes qui débutent cette routine ménage, eh bien je commence par prendre soin de mes plantes que j'ai complètement délaissées tout l'été. Vraiment, j'en ai vraiment pas pris soin, désolée pour elles. Donc je les enlève de leur cache-pot une par une et ensuite je vais les mettre dans ma baignoire, dans la salle de bain pour leur faire prendre un grand bain dont elles ont bien besoin. Et là, je voulais faire la même chose pour le Monstera que je suis en train d'enlever là, de dépoter. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moucherons. Vous les voyez pas parce que c'est tellement minuscule, mais là, il y avait plein de moucherons qui se sont échappés du pot. Absolument dégueulasse, j'étais totalement dégoûtée. Donc cette plante-là, je vais pas l'arroser, puisqu'il faut pas arroser des plantes qui ont plein de moucherons. Au contraire, il faut chasser l'humidité. Donc ma petite astuce, c'est d'ajouter des allumettes dans le terreau. Donc vous mettez la partie soufre dans le terreau et apparemment, c'est très efficace pour lutter contre les moucherons. Je l'ai fait la première fois pour mon Monstera en hiver dernier et ça a hyper bien fonctionné. Il faut penser à renouveler assez régulièrement quand même les allumettes. Et si ça fonctionne pas, eh bien j'irai acheter du savon noir en magasin bio. Et je ferai un petit mélange maison de savon noir et d'eau pour lutter contre les moucherons. Mais bon, voilà, c'est le risque quand on a des plantes à la maison. Pour les autres plantes, eh bien je les mets dans ma baignoire tout simplement. Et pour les arroser, j'utilise toujours les nutriments de la marque Undergreen. Je les aime beaucoup, c'est naturel, franchement c'est nickel. Et dès que j'utilise ces nutriments là, mes plantes, eh bien elles me disent merci, franchement elles revivent. Le vert devient magnifique, elles font de nouvelles feuilles, franchement c'est trop bien. Donc je mets deux pompes dans un litre d'eau à peu près. Et j'arrose mes plantes. Pourquoi je les mets dans ma baignoire? Tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi. Je les arrose et ensuite je les laisse se dégorger de leur eau dans la baignoire pour éviter que l'eau stagne dans les coupelles. Donc je les laisse s'égoutter, je dirais un petit quart d'heure, dans ma salle de bain, dans ma baignoire, tranquillement. Et pendant ce temps-là, je peux vaquer à d'autres occupations. Donc ce jour-là, j'ai commencé par détartrer mes toilettes. Ça faisait 15 jours, les amis, que je ne les avais pas détartrées. C'est pas bien, ne me jugez pas, les amis, ça arrive. Donc là, il fallait vraiment que je les détartre impérativement. Donc pour ce faire, je remplis ma bouilloire d'eau et je la fais bouillir tout simplement, et j'utilise des cristaux de soude. Donc attention, il faut vraiment utiliser les cristaux de soude avec des gants puisque c'est assez corrosif, mais c'est un nettoyant naturel très puissant, désinfectant et dégraissant. Franchement, moi je vous le conseille, il faut vraiment en avoir dans ses placards. Donc je mets 3 cuillères à soupe de cristaux de soude dans une bassine. Pour info, vous pouvez aussi utiliser du percarbonate pour faire ça. Si vous n'avez pas de cristaux de soude, vous pouvez utiliser du percarbonate, et vous ajoutez ensuite votre eau bien chaude, vous diluez le mélange et ensuite vous versez ça dans vos toilettes et vous laissez reposer entre 15 et 30 minutes. Voilà, et pendant ce temps-là,
on peut passer au nettoyage et au rangement de la cuisine. Donc pour ça, je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai déjà fait deux routines ménage sur cette chaîne. Donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Comme ça, vous pourrez découvrir la brosse que j'utilise tout le temps. C'est une brosse écologique. Également, j'utilise toujours du produit vaisselle écologique. Donc voilà, je fais ma petite vaisselle qui traînait dans l'évier. Je range l'égouttoir, etc., etc. Et ensuite, je nettoie le plan de travail, donc idem, vous verrez ça dans les autres vidéos que j'ai faites. J'utilise toujours les mêmes produits pour nettoyer tout mon appartement, hein. C'est un mélange de vinaigre blanc et d'eau, tout simplement, que je mets dans mon petit vaporisateur en verre fumé. Pareil, vous aurez le lien de ces vaporisateurs, j'en ai plusieurs chez moi, dans la barre d'infos. Je range le tout, franchement, je nettoie, je range, j'organise, etc., etc. Et voilà, la cuisine est nickel. Je suis pas rentrée dans les détails parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais au moins j'ai une cuisine toute nickel. Ensuite, je passe à la chambre, donc comme tous les dimanches, je change les draps de mon lit. C'est impératif de changer ses draps régulièrement parce qu'on transpire la nuit, etc., etc. Donc c'est parti, je déteste faire cette tâche là, je déteste ça les amis. Parfois je loupe un dimanche juste parce que j'avais la flemme de changer mes draps. Alors même si je déteste changer les draps de mon lit, quel bonheur ultime le soir quand vous rentrez dans votre lit, de rentrer dans des draps frais qui sentent bon le propre. C'est vraiment une tuerie, mais je déteste quand même changer mes draps. Donc voilà, le lit est tout propre, les draps sont nickel, donc c'est le moment de faire ma machine, des anciens draps. Et donc ce jour-là, j'ai fait une machine exclusivement de blanc, et je vais partager avec vous une astuce du coup pour raviver le blanc de votre linge sans avoir à le faire tremper pendant quelques heures dans du percarbonate de soude. Donc c'est tout simple, vous mettez votre linge dans votre machine et vous ajoutez dans le tambour de votre machine à laver une cuillère à soupe de percarbonate de soude, qui est un agent blanchissant et détachant naturel, vraiment très puissant. C'est vraiment un produit incontournable d'une maison écologique. Donc vous ajoutez une cuillère à soupe dans le tambour, deux si votre linge est très taché. Moi là c'était juste pour entretenir mon blanc, donc une cuillère à soupe c'est largement suffisant. Et ensuite vous mettez la lessive comme d'habitude. Moi j'utilise une lessive écologique également, et j'ajoute une dose de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant. Voilà, c'est mon petit adoucissant naturel, le vinaigre blanc. Et je fais tourner ma machine à 60 degrés, donc là c'est du blanc. Dans tous les cas, il faut faire tourner une machine à minimum 40 degrés pour que le percarbonate de soude agisse. Quand ma machine est lancée, je retourne dans ma salle de bain pour nettoyer toute ma salle de bain. Donc là, les cristaux de soude ont suffisamment agi pendant bien 20 à 30 minutes. Et vous allez voir, mais c'est magique. C'est magique. Voilà, vous avez des toilettes absolument 100% nickel, détartrées. Évidemment, j'ai nettoyé également ma lunette de toilette. Je voulais juste pas montrer parce que je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, mais évidemment, j'ai nettoyé aussi ma lunette de toilette avec toujours le même mélange de vinaigre blanc et d'eau. Et ce jour-là, il fallait impérativement que je nettoie les joints de ma baignoire et de mon lavabo parce que là, ils commençaient sérieusement à s'encrasser. Donc pour nettoyer mes joints, j'utilise un mélange de percarbonate de soude et d'eau chaude. Donc 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude pour 100 ml d'eau chaude environ. Il suffit ensuite de vaporiser ce mélange sur vos joints. Vous voyez là, mes joints, ils étaient un peu orangés là, ils étaient pas très... plus très beaux, hein. Moi j'aime pas, hein. J'aime bien que tout soit blanc chez moi. Donc vous vaporisez un peu partout, baignoire, lavabo, et vous laissez agir. Et pendant que ça agit, je vais récurer mon lavabo et ma baignoire avec du bicarbonate de soude. C'est ce que j'utilise tout le temps pour tout récurer chez moi. Donc moi, dans mon bicarbonate de soude, je mets toujours quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Comme ça, ça a une bonne odeur dans ma salle de bain, une bonne odeur de frais d'agrumes. C'est trop bon. Et bah, je récure le tout avec ma brosse toujours en fibre de coco que j'achète en magasin bio. C'est en fibre de coco naturelle. Et bah, je récure tout, tout, tout. Je rince sans toucher encore aux joints. Je ne rince pas les joints. Hein. Voilà, je rince juste l'intérieur de ma baignoire. Idem pour le lavabo. Vous voyez comment... c'est hyper puissant le bicarbonate. Vous voyez comment c'est un peu noir là, le bicarbonate. C'est un truc de fou. Vous n'avez pas besoin de plus les amis, hein, pour nettoyer votre maison au naturel sans produits chimiques. Regardez comment c'est éclatant. Nickel. Donc quand j'ai eu fini de tout récurer, baignoire et lavabo, j'estime que le mélange percarbonate de soude a suffisamment agi. Donc je prends une brosse à dents, tout simplement, évidemment pas la mienne, hein, une vieille brosse à dents, et je frotte sur mes joints.
c'est hyper efficace, les amis. Percarbonate de soude, eau chaude sur vos joints, c'est magique. Là, je prends une serviette microfibre, une lingette microfibre, et je nettoie le tout. Et regardez-moi comment ces joints redeviennent blancs, mais comme neufs. Truc de fou. J'aime trop. J'aime trop regarder encore cette vidéo. Je pourrais la regarder des heures pour voir cette propreté. Ensuite, j'utilise des serviettes microfibre pour tout bien nettoyer, lustrer. On lustre la robinetterie et puis après, bah, il n'y a plus qu'à admirer la beauté de cette salle de bain, de ces joints. C'est vraiment trop bien. Regardez-moi ça, absolument 100% nickel et qu'avec des produits naturels, mais hyper puissants. Donc vraiment, à bas les produits chimiques dans son intérieur. Et voilà, quand ma cuisine est propre, ma salle de bain est propre, mes draps sont changés, je peux passer au sol. Donc évidemment, toujours petit coup, grand coup même d'aspirateur dans toutes les pièces de mon appartement. J'utilise toujours mon aspirateur sans fil de la marque Roventa. Je l'aime beaucoup, même si il est assez lourd quand même, mais je l'aime beaucoup. Moi, ça a changé ma vie de tenir les aspirateurs sans fil. Et ensuite, je passe la serpillière, toujours avec mon balai vaporisateur, qui, là, je dois vous l'avouer, il commence à tirer la tronche. Il vaporise de moins en moins. Donc, comme c'est un achat que j'ai fait et la garantie est à vie, je crois, je peux les contacter et demander à ce qu'ils m'en renvoient un. Donc, c'est ce que je vais faire parce que là, malheureusement, il commence à vaporiser de moins en moins bien. Donc, je passe la serpillière dans toutes les pièces de mon appartement. Moi, j'utilise pour nettoyer mon sol juste de l'eau et du vinaigre blanc également, tout simplement. Et quand le sol est sec, c'est le moment d'ajouter la final touch, la touche finale à cette routine ménage d'automne. C'est le bouquet d'eucalyptus dans la salle de bain. J'adore, vous savez, les bouquets, hein, je suis une fan. Là, en ce moment, je suis dans ma période bouquet de fleurs séchées que j'achète sur le marché. Regardez, j'ai acheté ce magnifique bouquet aux couleurs automnales sur le marché samedi dernier. Ça ajoute une touche, mais tellement trop belle dans mon appartement, je suis fan. Mais revenons à nos moutons. J'ai acheté sur le marché de l'eucalyptus frais. Donc, j'en accroche quelques branches au niveau du pommeau de ma douche, enfin, au-dessus du pommeau de douche. Et j'adore accrocher des branches d'eucalyptus, tout simplement parce qu'au-delà de l'ambiance un peu spa aromathérapique dans la salle de bain, eh bien, ça a aussi des bienfaits sur la santé, puisque quand vous allez vous doucher, la vapeur d'eau va libérer les huiles essentielles d'eucalyptus dans la salle de bain. Donc, ça a des vertus décongestionnantes pour vos sinus. Ça va aider à combattre les allergies saisonnières, etc. L'eucalyptus est également reconnu pour réduire le stress, puisque vraiment, là, ça crée une ambiance très calme et relaxante, apaisante. Franchement, moi, j'en suis complètement fan. Et en plus, ça ajoute évidemment une superbe odeur d'eucalyptus dans votre salle de bain. Et ça, bah, je ne dis pas non, j'adore avoir un intérieur qui sent bon, le frais, le propre, et voilà. Donc on arrive à la fin de ma routine ménage. Quand j'étends mon linge, c'est que le ménage est terminé. Et c'est le signe que j'ai bien bossé dans mon appartement en ce dimanche matin. Enfin, qui m'a pris une bonne partie de la journée d'ailleurs. Et voilà, il ne reste plus qu'à profiter de cet intérieur propre, qui sent bon, pour le peu de temps que ça va rester propre. Je dis ça pour rire, évidemment, ça va rester propre, mais c'est juste que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Donc je sais que ça risque de partir en vrille d'ici quelques jours, malheureusement. C'est comme ça. Et voilà, mon appartement est enfin propre, sans bon. Tout est nickel et ça, c'est vraiment top. J'en ai profité, évidemment, pour me doucher et m'apprêter aussi. Donc moi aussi, je suis propre. Je suis prête à partir chez Isadora maintenant pour faire un live sur YouTube, donc que vous avez déjà vu dimanche dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites astuces, de la motivation surtout, parce que n'oubliez pas que si je fais ce genre de vidéos, c'est parce que moi, j'adore les regarder sur YouTube, parce que moi, elle me motive énormément à nettoyer mon intérieur, à me lever de mon canapé et de me dire, allez, là, c'est bon, c'est le moment, je nettoie tout. Et mais quel bonheur d'avoir un appartement clean, rangé, appartement rangé, tête apaisée. Et n'hésitez pas aussi à partager en commentaire avec moi toutes vos astuces pour une maison propre et parfumée au naturel. Je suis sûre que vous allez me faire découvrir pas mal de petites choses, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis ben, je vous dis à la prochaine, à plus.